t'as débuté assez tard, je crois, à 17 ans, c'est ça? Oui, 16 ans et demi, ouais. Et t'étais clairement autodidacte, enfin, t'as eu pas de coach au début, tu t'as appris tout seul dans les bouquins? Ouais, je me suis beaucoup débrouillé tout seul et en regardant à l'époque, je me rappelais, c'était l'heure du golf qu'il y avait sur France 3. Il y avait une demi-heure de golf toutes les semaines. Avec Nelson. Et j'enregistrais ça et je regardais ça le samedi, dimanche en boucle. Et, voilà. Et tout de suite, t'as senti que t'avais quelque chose à faire dans ce sport-là, que le milieu professionnel, c'est quelque chose qui t'attirait, que tu pouvais en faire ton métier concrètement? Nul. De toute façon, j'ai clairement toujours voulu faire du sport, donc j'ai eu le volleyball avant, après il y a eu le tennis et en fait, dès que j'ai mis les pieds sur un parcours de golf, j'ai tout arrêté. J'ai consacré ma vie au golf. Tout de suite comme ça, clac. Ouais. C'est le... Ah oui, oui, dès qu'on m'a mis un fer 7 dans la main, j'ai tapé une balle à 140 mètres. Et voilà. C'est le fameux attrait du golf. Exactement. Allez, Zouille, on est reparti. Tu cherches quelque chose, Julien? La balle de Martin. C'est facile de se moquer, c'est facile. C'est facile de se moquer quand on est professionnel du Tour européen, je sais pas quoi. Là. Julien, l'une des dernières questions que je dois te poser, elle est assez simple, mais j'aimerais bien que tu m'y répondes le plus franchement possible et pas... C'est quoi tes envies, tes objectifs, mais tes envies profondes, tes objectifs profonds, pas juste me dire « ouais, gagner un tournoi, machin, tout ça ». Mes objectifs profonds, bon, ça serait gagner un majeur. Lequel? À long terme, voilà. Lequel? Lequel, je sais pas encore. Le British Open, j'aime bien. Et pour la saison prochaine, j'imagine que t'as un plan de saison, t'as une envie de place, j'imagine évidemment de garder la carte, mais au-delà de ça, c'est quoi les points de passage pour garder cette carte, pour gagner ce majeur? Les points de passage, ça va être de bien préparer le début de saison, d'arriver dans les temps de repos à bien préparer les tournois que je vais jouer cette année. Et voilà, j'ai envie de gagner très vite sur le Tour européen pour essayer d'avancer le plus vite possible.